Salut à tous et bienvenue à bord, on embarque pour la Nouvelle-Calédonie. La vue quand on se réveille. Et ça, c'est la petite barque qu'on emprunte pour retourner sur terre. L'île des Pins, on a galéré pour arriver jusqu'au camping parce que bien évidemment c'est le dernier. Bon, l'avantage c'est comment on a la plage pour nous, franchement, parce qu'il n'y a pas grand monde. Et ouais, on est là un week-end où apparemment c'est férié lundi, là on est samedi, et du coup il y a énormément de monde et tous les campings sont complets. On devait louer des scooters mais il n'y en a plus, et du coup c'est dommage parce que je pensais qu'on irait à la piscine naturelle. C'est un peu pour ça qu'on est là, parce que ça a l'air vraiment magnifique. Mais comme il n'y a plus de scooter, c'est à 20 km d'ici, donc ça va être compliqué. Je sais pas trop comment on va faire. Et puis c'est déjà bien beau ici, donc on va peut-être rester là, on verra. Bon, je crois qu'on a adopté un chien. Parce que il y a beaucoup de chiens errants sur l'île des Pins. Et celui-là, il nous suit depuis tout à l'heure. Il est carrément arrivé à la tente. Et le pauvre, j'ai rien pour lui. Il est trop mignon. Oh. Il a un collier, mais il n'y a pas d'adresse ni rien. Il nous suit encore. Mais il n'est pas farouche comme les autres. À mon avis, il a été abandonné celui-là. Naya, 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 naya
Bon, c'est vrai que c'était magnifique. Au bout de 5 minutes de navigation, on croise déjà deux dauphins. Donc ça fait vraiment rêver. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que ça faisait un peu l'industrie quand même. Déjà, on était trois bateaux, donc une trentaine de personnes. Et donc, par exemple, à un moment, il y avait une tortue. Et être nombreux comme ça autour d'une seule tortue, ça fait beaucoup. Ou par exemple, aux dauphins aussi, j'aurais préféré que... Comme quand on avait observé les baleines en Australie, en fait, le bateau, il s'en approchait, mais on gardait quand même une distance de sécurité pour nous et pour la baleine. Et puis voilà, faire en sorte que ce soit l'animal en fait qui vient à nous s'il a envie, sans le brusquer lui. Parce que là, bon, on a vu des dauphins, le bateau s'est un peu précipité dessus, et après, comme on était trois bateaux en plus, on les a un peu encerclés. Bon, c'est assez dommage, et avoir plus un briefing aussi au début, parce que par exemple quand on a plongé et qu'on a vu une tortue, il y a quelqu'un qui a touché la tortue, donc elle a pas trop aimé direct, elle a réagi, elle s'est retournée en mode qu'est-ce qui se passe? Donc ça, tout ça, ouais, ça aurait été bien de le dire avant, qu'il faut pas toucher les animaux, c'est voilà, faut les laisser, c'est des animaux sauvages, donc laissons les sauvages. Ouais, ça c'est le côté un peu dommage. Bon, on a vu des choses magnifiques, mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait moins de monde, un peu plus de... que ce soit un peu moins l'industrie en fait. Quand on plonge, j'ai filmé à la GoPro, mais j'ai une vieille GoPro. Donc déjà, j'ai pas d'écran, donc je vois pas ce que je filme. Et en plus, je la tiens à la main parce que j'ai rien en fait pour la tenir, pour l'accrocher quelque part. Donc du coup ça bouge beaucoup, j'essaie de faire mon mieux en essayant de pas trop nager ou de... Mais même avec le courant de la mer, ça bouge énormément. Donc on voit quand même, bon ça rend pas aussi bien que ce que j'aurais espéré. J'espère que je vais pas vous donner trop le mal de mer. On va gratter, on va récupérer la chair. C'est la chair que tu vas presser, c'est là que tu vas récupérer le crayon. Si. T'as fait ton... Ici, comme il est un peu plus dur, on va commencer avec la lame. Et en même temps, on va marquer pour éviter qu'on casse trop. Tu vois, plus à droite que plus à gauche, on va essayer de marquer un peu à chaque fois. Pour avoir une bonne équilibre entre les deux. Et quand on va, le son va changer, on va retourner le deux couteaux. Sinon, on risque de prendre un peu.
Oui. Bravo, Manuel. Et c'était une fois. Ah, là, les vues, ah, j'ai changé. Là, j'ai changé.